Marimi tato ia te puanuis no, peritini no te mautatir a te maumetua no porinitia frani. Nous accueillons maintenant M. Tepuanuisno, le président de la Fédération de l'Association des parents des élèves des écoles publiques. Madame la ministre de l'Éducation, qui n'est plus là, qui a malheureusement dû partir, en charge de la jeunesse et des sports, Monsieur le vice-recteur, vous êtes présent parmi nous. Monsieur le directeur général de l'éducation et de l'enseignement, cher Thierry, mesdames et messieurs, les inspecteurs de l'éducation nationale, chers représentants d'associations de parents d'élèves en REP+ et hors REP+, chers parents, chers amis, Yaurana, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour prendre part à ce séminaire de l'éducation prioritaire. En tant que représentant des parents d'élèves et au nom de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public que je préside, je tiens à remercier ce matin Madame la ministre de l'Éducation pour l'organisation de cet événement, mais à travers elle plus particulièrement la circonscription de FAA, dirigée aujourd'hui conjointement par M. Raymond Hinz et M. Rigotard. Je vous demande de les applaudir encore une fois. Je souhaite également profiter de cette occasion pour adresser au nom des parents d'élèves toute notre reconnaissance à l'égard de l'ensemble des enseignants, des personnels administratifs, de l'éducation, ainsi que toutes les personnes qui unissent leur savoir, leurs compétences, leur détermination et leur dévouement pour créer un climat propice à la réussite de nos enfants à l'école. Faire en sorte que la réussite de tous les élèves soit une réalité plutôt qu'un mythe exige des parents que nous sommes, mais également de chacun d'entre nous ici présents, acteurs de la communauté éducative, bienveillance et volontarisme. Car la bienveillance sans volontarisme est condamnée à rester lettre morte, comme le volontarisme sans bienveillance à rester lettre vide. Se soucier de la réussite de nos enfants à l'école, c'est faire en sorte de les introduire dans un monde nouveau pour eux, dans un monde toujours plus vieux, et dont nous ne sommes que les représentants, les responsables et les garants. Se soucier de la réussite de nos enfants, c'est les aider à entrer dans ce monde étrange et parfois hostile qui est le nôtre. Se préoccuper de leur réussite à l'école, c'est se préoccuper de leur réussite dans la société dans laquelle ils vivront demain. Si l'éducation est la priorité de la Polynésie française, comme l'affirme l'article 1er de la Charte de l'éducation, cet objectif nous intime de continuer à toujours faire mieux, élaborer de nouvelles ambitions, créer des dynamiques innovantes qui s'adossent aux trois principes mobilisateurs: une école pour tous, une école performante, une école ouverte. En cela, Nicole Sanquer, en 2015, ou je dirais plutôt en 2014, avait saisi cette opportunité de créer trois réseaux d'éducation prioritaire, plus, en lieu et place de la seule ZEP de FAA. Je tiens à l'en remercier, car grâce à son initiative, près de 6600 enfants aujourd'hui, répartis sur 32 établissements, bénéficient aujourd'hui d'un meilleur accompagnement pour réussir à l'école. Une école ouverte aux parents, oui, qui nous invite désormais en tant que parents à intégrer la communauté éducative. Alors qu'à l'époque de Jules Ferry, seul l'État avait le droit d'éduquer, les familles n'avaient alors aucun rôle à jouer au sein de l'école. Fort heureusement, ce sentiment historique qu'avait développé l'institution par rapport aux parents a évolué. Ainsi, d'une école fermée sur elle-même, qui se protégeait de l'intrusion des parents, on est passé en quelques décennies à une école ouverte sur l'environnement et qui tente de faire des parents des partenaires privilégiés dans la lutte contre l'échec scolaire. Il ne suffit pas, hélas, que de l'écrire, mais il s'agit désormais de trouver véritablement les chemins de réconciliation des parents avec l'école, construire de nouvelles passerelles, créer un nouveau partenariat école-famille, pour inciter les parents que nous sommes à nous engager dans la vie scolaire de nos enfants, bref, de passer du statut de parent à celui de parent d'élève. Cela ne peut se concrétiser, à mon sens, que par la démocratisation d'un véritable partenariat enseignant-parent. Dans cette perspective, la commission Relations avec les familles, créée en 2015 au sein du groupe territorial d'éducation prioritaire, a réalisé un travail remarquable afin de développer ce lien privilégié avec les familles. Je tiens également à féliciter
les autres commissions de travail de ce groupe territorial d'éducation prioritaire qui a fait un excellent travail également. Or, ce travail n'est toujours pas mis en commun, ni partagé, avec l'ensemble des autres circonscriptions éducatives. Nous comptons sur vous, Madame la Ministre, alors le message va lui être relayé, pour qu'enfin notre demande, celle des parents, se concrétise pour qu'enfin les pratiques pédagogiques innovantes, telles que proposées dans le cadre des fiches actions, profitent à l'ensemble du corps enseignant de Polynésie, pour qu'in fine ce soit l'enfant qui gagne. Arrêtons de nous voiler la face. Si l'implication des parents à la maison ne se résume pas qu'à l'aide aux devoirs, il est nécessaire de prendre conscience que l'enseignant doit aujourd'hui guider les parents que nous sommes, nous montrer la marche à suivre pour que nous soyons les plus aptes à aider nos enfants à la maison et par voie de conséquence à mettre en pratique ce que l'on appelle aujourd'hui la coéducation. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le professeur Mérieux, et je le cite, « L'aide aux parents doit s'articuler avec le travail de l'enseignant. Il lui revient donc d'expliquer comment il faut s'y prendre, de donner des consignes et de livrer les modes d'emploi des exercices scolaires. La tâche des parents est de se mettre ensuite au service de la démarche de leur enfant et de l'aider à trouver son propre chemin. Il nous appartient donc aujourd'hui de nous donner les moyens de réussir ensemble. Car en effet, l'éducation de nos enfants ne peut être sous la seule responsabilité de la ministre de l'Éducation. Les parents que nous sommes portant la plus grande part de responsabilité dans l'avenir de nos enfants, dont nous sommes les premiers éducateurs. Pour autant, ce n'est pas en nous accusant d'être des missionnaires ou en situation de déni, comme j'ai pu l'entendre, que l'on arrivera à inverser la tendance. Je vous rappelle juste que les écoles maternelles n'ont été généralisées en Polynésie qu'à partir de 1977, et les collèges n'ont été construits dans les îles que dans les années 1980. En revanche, c'est en mettant en place des dispositifs d'accompagnement, tels qu'imaginés au sein des réseaux d'éducation prioritaire, tels que par le biais des écoles des parents, qui existent en métropole depuis 1929, que l'on pourra regarder l'avenir dans le même sens et de manière constructive. Aussi, et ce sera ma conclusion, la réussite scolaire grâce au partenariat développé avec les familles et dans l'application de pratiques pédagogiques innovantes n'est plus simplement qu'un rêve. Le bilan de la mission REP+ de 2014 à 2018 atteste de cette réussite à plusieurs égards. Les parents que nous sommes devons continuer à être des partenaires privilégiés dans la lutte contre l'échec scolaire pour la réussite de tous les élèves. C'est l'objectif que nous souhaitons atteindre pour nos enfants. Il est désormais marqué dans le marbre de notre charte de l'éducation. Aussi, je forme le vœu que la feuille de route de la politique éducative du pays pour les prochaines années s'inspire du projet REP+ 2019-2023 dont parlait tout à l'heure M. Hinz, que nous aborderons durant ce séminaire, de sorte à véritablement mettre en synergie l'ensemble des pratiques pédagogiques innovantes conduites entre l'ensemble des partenaires, les familles et les professionnels de terrain. C'est la responsabilité qui nous incombe, c'est une responsabilité envers la génération qui nous succède, mais c'est également une responsabilité envers le monde qui nous entoure. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui à ce séminaire et nous le serons encore, tant que notre travail et notre implication seront reconnus utiles dans la construction d'une société plus juste où tout le monde y trouve sa place. Je vous souhaite donc à toutes et à tous d'excellentes conférences et des ateliers productifs. Je vous remercie de votre attention.